Ce projet souhaité et savamment étudié avec le leadership de Monsieur Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, et la caution du comité exécutif qu'il conduit à ce jour et par la grâce de Dieu dans sa phase de réalisation. Par vos ovations nourries, je voudrais solennellement et maintenant que nous remercions le président Yacine Idriss Diallo et le comité exécutif qu'il conduit pour avoir cru à ce projet, de l'avoir endossé et tout mis en œuvre pour sa réalisation. Ovation à la direction exécutive qui s'est approprié le projet depuis la phase d'étude jusqu'à sa mise en œuvre au plan technique et financier. Je vous remercie pour votre aimable attention. Vive la Fédération ivoirienne de football, vive le sport en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Fini des discussions interminables avec les transporteurs, nous espérons que vous serez heureux de savoir que ces cas contribueront à améliorer notre travail et atteindre nos différents objectifs. Je vous remercie pour votre aimable attention. Vive la Fédération ivoirienne de football, vive le sport en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie est une cérémonie que nous menons avec une grande joie. Parce que depuis notre avènement à la tête de la Fédération ivoirienne de football, nous avons, avant notre arrivée et depuis que nous sommes arrivés, souhaité faire en sorte que les choses aillent dans le sens de l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des membres de la Fédération, que ce soit les clubs, les joueurs, les techniciens, toute la famille et l'écosystème du football ivoirien. On veut faire en sorte qu'il y ait une amélioration de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie, de la qualité de la gouvernance. Le problème du transport est un problème fondamental pour tous les clubs parce que les joueurs doivent aller s'entraîner, les joueurs doivent se déplacer, les clubs sont quelquefois à des distances très importantes les uns des autres. Et on a dit avec l'accord de tout le monde que si Dieu le veut, pour la saison prochaine, tous les clubs retourneront sur leur base. Donc il va s'agir de se déplacer régulièrement. Et c'était un problème parce que le président de la Ligue, mon cher aîné Salif Togo, avait vraiment un souci régulier avec ce problème de car. Donc on en a débattu, on a mis sur pied une task force. Il a travaillé avec Armand, avec Yao Yao, avec la direction générale de la fédération. Et on a trouvé un montage. Ce montage donc nous a permis à la Fédération ivoirienne de football de donner toutes les garanties à un établissement bancaire et de faire un bridge pour que nous puissions financer l'acquisition des cars. Et on finance l'acquisition de ces cars, et les cars seront remboursés par les clubs sur leurs subventions sur les 36 mois qui viennent. Donc en réalité, on leur donne les moyens de pouvoir avoir des cars neufs de qualité pour pouvoir faciliter leurs activités. Ça devrait leur faire une économie assez intéressante par rapport à la location des cars qu'ils avaient à faire quand ils allaient à l'intérieur. Il leur appartiendra maintenant de bien gérer ces outils. Parce que un car, c'est bien, mais il faut le maintenir. On offre même l'assurance d'un an de maintenant à la fin de l'année pour le car. Il vous appartiendra, vous, de l'utiliser, mais de bien l'utiliser, d'en faire les révisions, la maintenance, les changements des roues, etc. Parce qu'un car bien entretenu peut durer une dizaine d'années quand il est bien entretenu. Donc, on vous met à disposition ces différents outils pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles. Alors, c'est une première étape. Il y a des clubs qui ont pris un quart, il y a des clubs qui en ont pris deux, en fonction de leurs besoins, parce que c'est fondamental, et de leur capacité aussi de remboursement, parce que c'est à eux de rembourser ces quarts. L'objectif, vraiment, c'est que chaque club de Côte d'Ivoire ait un quart à minima pour assurer ses déplacements. C'est un outil qui est un outil de travail. Ce n'est pas du luxe. C'est un besoin réel. Donc, il faut que vous preniez cet outil avec beaucoup, beaucoup de sérieux, que vous vous en occupiez. Nous allons continuer à travailler, à réfléchir sur comment vous aider à faciliter, je dirais, la gestion de vos clubs pour que l'ensemble de l'écosystème bénéficie de tout ce que nous aurons comme initiative et comme idée. Je voudrais déjà remercier le partenaire bancaire qui nous a fait confiance. Je voudrais remercier le groupe Tata qui n'est pas là, mais qui nous a fait confiance aussi pour l'opération. Et je voudrais dire à tous mes patrons, les clubs, maintenant la balle est dans votre camp.
Je précise donc que les clés sont dans le car. Donc chaque fois que le club aura eu reçu les pièces, il peut démarrer son car et après la cérémonie, il peut partir avec. Pour permettre au car de partir, le président a demandé de mettre une dotation de carburant pour qu'au moins le car puisse arriver chez celui à qui ça a été attribué. Que de plaisir parce que vous imaginez, moi je joue un match la semaine en Coupe nationale jusqu'à Korogo. Ça nous permet de faire le déplacement jusqu'à Korogo au lieu de louer un car qui va nous coûter 1 million, 1,5 million. C'est déjà bon, c'est un soulagement, même si on va le payer ça en 3 ans, mais c'est déjà bon. Je suis monsieur Jean-Roland Tétiali, président Sirocco FC San Pedro. Je suis très heureux de réceptionner le car de mon club. C'est un pan du programme du président Yacine Idriss Diallo qui vient de se réaliser cet après-midi. Voilà, et nous sommes tout heureux. Et ce car que voici, nous allons l'utiliser à bon usage. Et ça va nous faciliter le travail aussi au niveau de notre équipe, puisque nous avons une équipe professionnelle et nous faisons aussi la formation. Donc, ça nous permettra de mieux travailler. Donc, je tiens à dire vraiment merci au président de la Fédération de football et à tout son comité exécutif. Camara Karim, président section football du stade d'Abidjan. C'est un sentiment de joie et de bonheur. Il était temps, il fallait qu'on puisse octroyer des cas au club de première et deuxième division. Vraiment, merci beaucoup à la Fédération Ivoirienne de football. Merci beaucoup au président de la Ligue 1. C'est un ouf de soulagement. Vraiment, merci à tout le monde.